Personne n'a vu venir le divorce de Meryl Streep. L'actrice oscarisée met fin à 45 ans de vie commune avec son mari. Meryl Streep compte parmi les « trop » rares actrices hollywoodiennes à poursuivre une carrière au cinéma après 50 ans. Pour preuve, elle tenait encore cette année l'un des rôles principaux de la troisième saison d'Only Murders in the Building, disponible en France sur Disney+. On a également pu la voir récemment dans la série Apple intitulée Extrapolation. Un succès de longue date également du côté de sa vie privée. En 2015, l'actrice se réjouissait dans les colonnes de gala d'avoir eu la chance de trouver un bon mari, le sculpteur américain Don Gummer. Son secret? Je ne sais pas. Vous savez, je connais aussi d'autres couples qui durent. Je n'ai aucune recette par rapport au succès de mon mariage, répondait-elle à nos confrères. L'amour n'est pas compliqué. Si est-il la vie qui est compliquée. La vie dépose toujours quelque chose qui n'était pas prévu à notre porte, déclarait Meryl Streep il y a 8 ans. Une phrase prémonitoire puisque Page 6 a révélé ce vendredi 20 octobre 2023 que les amoureux se seraient séparés. Cela fait 6 ans que le couple vit séparément, témoigne une source anonyme dans les colonnes du magazine. Même s'ils tiennent l'un à l'autre, ils ont décidé de se séparer. Le tabloïd révèle également que les ex-tourtereaux auraient revendu leur loft à New York pour la modique somme de 15,8 millions de dollars au mois de janvier 2020, détaille le tabloïd. L'actrice vivrait seule depuis lors dans une immense demeure à Pasadena, Californie. Ce cadeau inestimable offert à Meryl Streep. Le divorce de Meryl Streep signe la fin d'un mariage long de 45 ans. Malgré la séparation, la comédienne garde dans son cœur l'un des plus beaux cadeaux offerts par son ex-mari. Elle l'avait d'ailleurs mentionné sur la scène des Oscars en 2021 sous la forme d'un hommage très intime. Tout d'abord, je vais remercier Don parce que lorsque vous remerciez votre mari à la fin du discours, il le coupe avec la musique, et je veux qu'il sache que ce que j'apprécie le plus dans nos vies, c'est lui qui me l'a donné. Une référence à peine voilée à ses quatre enfants, Henry, né en 1979, Marie-Ouilla, née en 1983, Grace, née en 1986 et Louisa, née en 1991. Just me.